Everyday avec moi, chaque soir chez toi. Mes yeux qui s'inquiètent, Montréal à Paris. Baisse qu'un tête qui aime l'enquête, embarque dans le bus brancard. C'est bloc de peu avec Lucie, c'est bloc de peu avec Lucie. C'est bloc de peu avec Lucie. Fait qu'aujourd'hui, on poursuit avec les travaux de réno. Le next step, ça va être d'enlever le tapis ici, puis de faire la couche de peinture. Dans le fond, on va enlever le tapis en premier, parce qu'on a réalisé que si on faisait la peinture avant, en tout cas, si on veut faire les deux trucs dans la même journée, ben là, de faire la peinture, puis ensuite enlever le tapis, ça soulèverait trop de poussière, puis là, ça irait ses murs, puis là, ça salirait tout. Fait qu'il faut absolument enlever le tapis en premier. Pour ce faire, ben évidemment, va falloir bouger les grosses armoires pleines de dossier juste là. Puis c'est extrêmement, extrêmement lourd. Nous, on a été à peine capable de les pousser là. Fait qu'aujourd'hui, je vais recevoir un peu d'aide. On va pas être capable de faire ça tout seul, malheureusement. Commencer la job d'arrachage de tapis. Puis guys, c'est vraiment une sale job. C'est tellement difficile. Vraiment contente qu'on puisse avoir un peu d'aide aujourd'hui. Parce que je pense que j'avais mes petits bras. J'aurais été capable de l'arracher. Juste ça, le petit coin là. Ça a pris tout mon jus. Ça vient de me prendre donc 15 minutes. C'est juste un petit coin. C'est vraiment difficile à arracher du tapis là. Surtout que, I guess, ça fait 20 ans qu'il est collé là. Il est bien collé en tabarnak là. Sort l'artillerie lourde et qui est un heat gun parce que le tapis est comme indécollable. Puis là, avec la chaleur, ça devrait faire fondre la colle. Puis on devrait être plus capable de l'arracher. Exactement où vous ne voulez pas être un samedi midi, aka au IKEA de Montréal. Vu que on pouvait rien commander en ligne, on n'a pas le choix de venir chercher des trucs en magasin. Bienvenue dans ma chambre. Ça c'est mon petit flamant rose. Ça c'est Bob. Ça c'est Jacques. Ça c'est Gontran. Ça c'est ma dernière lecture. J'ai plusieurs exemplaires des mêmes livres. Faut que je me tire australienne. Yeah. So don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up. Et je me sens aventurière, ok? Parce que à date, on a deux sets de rideaux, mais il y a trois fenêtres, ok? Fait qu'il manque des rideaux pour une fenêtre. Puis là, au début, on était comme, ok, soit on y va avec quelque chose de basic. Mais checker les rideaux qu'on vient de voir. On fait un petit clon au centre. Ils sont genre un petit pattern pied de poule, mais comme vraiment léger. Checker de loin, je trouve ça quand même cute. Genre, je me dis que pour la fenêtre qui est comme toute seule, ça peut être quand même un verbe. So we're gonna try it. We're gonna give it a try. Very nice. Only $30. Je viens de trouver un tapis absolument incroyable. J'ai vraiment, genre, je l'ai spoté fucking des kilomètres à la ronde dans le magasin. Checkez-moi ça. Il est comme, il est tout tressé en laine. Je le trouve trop beau, là. Tellement beau. L'affaire, c'est qu'il est 400 $. Fait que je sais pas si ça me tente de mettre autant d'argent sur un tapis, mais qu'en même temps, il est tellement beau. Oh, damn. Tu sais, d'un côté, je me dis qu'un tapis, tu gardes ça pour toujours, tu sais, puis pour vraiment longtemps. Fait que c'est quand même un bon investissement. Oh my god, est-ce que je prends? Je prends pas, je sais pas. Il y a plus le truc qu'on veut pas. Le IKEA a été dévalisé. We did it!
mission accomplie. Il nous reste quand même quelques items qu'on n'a même pas pu avoir parce qu'on dirait que IKEA en ce moment il se fait vider là. Il y a tellement de monde, guys. Il y a tellement de monde là. Puis vu que, guess, que tout le monde a passé au travers de la même situation, fait qu'ils ont essayé de commander en ligne, ça marchait pas. Fait qu'ils sont pas allés en magasin. On est samedi aussi. On est samedi, ouais. En tout cas, on a survécu. High five. On a survécu au IKEA un samedi. Survécu à moitié. Ouais, je suis fucking fatiguée, puis on a faim. Nous découvrons l'espace. Oh! Ouais, on le sait. Oh! Checkez ça! Checkez le plancher! Wow! Il y a déjà la moitié du tapis qui a été enlevé. Dans le fond, hier soir, pendant que nous on faisait une petite soirée Netflix, les gars sont venus arracher ça. On n'aurait pas été capable de le faire autrement, malheureusement. Devinez ce qu'on va faire. On va spray paint encore une autre affaire. Gold! Cette fois-ci, c'est des pattes de chaise qui sont juste là. Qui sont silver. And we're gonna put them gold. Ouais, comment ils peuvent dire que c'est gold, Calis? C'est clairement bronze, tu sais qui c'est? Ça c'est bronze, ça c'est or. Je comprends pas là, on dirait qu'il y a comme une erreur là, non? Ouais, c'est bizarre là. Ben c'est clairement censé être cette couleur là. Et non, non, c'est pas pareil du tout. Ça sent la couleur du bouchon là? Non, pas du tout là. Ah, déjà là, ça c'est or. Pas pire, t'ajoutes un petit quelque chose. 10 piastres là, hey. Bien, ça le fait, hein? Pas tous les jours qu'on a des deals de même. Paulette, Paulette. Ok, là je suis ultra méga excitée parce que je me suis acheté une ponceuse pour réparer le mess qu'on a fait à cette porte. Là, je vais essayer de la poncer au complet. Ben, je vais commencer avec ça, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais utilisé ça de ma vie. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Bon, on va essayer, puis on va voir ce que ça fait. Je suis pas excitée d'essayer mon nouveau jouet. I swear they never really understand me. I need a comma like I need a granny. She laced the flow with a designer panties. Yeah, we eating plenty. Check the pantry from the sound waves to the rebel lines. From the tattered bridges to expensive dishes. Now we eating ends with these new beginnings. Yet the sign of major for the bank roll. But thank the Lord that it dies at penitentiary. Nice guy, but my inside is empty. Mighty flashy with a bird's eye. Scribble gems to get my pockets lined till I get arthritis. Switch my heart is icy. Walking past the bouncer like I knew somebody. Acrylics hella cloudy at a poison ivy. Fait que j'ai manqué de peinture gold pour finir ça. Là, je suis allé à la cacarie du coin pour acheter un autre cake and gold. Mais ça donnait pas pantoute la même affaire. Puis c'était vraiment pas la même qualité. Fait que si vous avez des trucs à spray paint gold, achetez celle-ci métallique. Il y a un bouchon gold. C'est vraiment la meilleure. J'en ai essayé trois. Les autres étaient toutes la merde. Ça, c'est vraiment la best qui donne le plus beau résultat. Fait qu'on n'a pas fini d'enlever le tapis, on n'a pas fait de couche de peinture supplémentaire, mais ce qu'on a fait et ce qu'on a terminé, c'est des petits DIY ultra winner! Fait qu'on a vraiment bien réussi à transformer des meubles ultra cheap en meubles color designer et genre ultra fancy. Puis je vous montre le final result. Évidemment, essayez de les imaginer dans un décor blanc. Là, on est dans le garage, puis c'est là, mais... Ça va être dans un décor blanc. Ça va être beau.